Ouais. Ça va, yes! Je voulais savoir, c'est où ton restaurant préféré à Montréal? Ah, le Mousseau. Ton bar préféré? Ben, je te dirais la Roquette, là, à cause de mon appartenance, là. Ah ouais? Hein? Passé des années, là. C'est fait... vrai? Ouais. Ton coin de rue préféré à Montréal, c'est où? Dante et genre de Gaspé. Là, t'es au coin du meilleur quartier à Montréal. Ton quartier préféré? La petite Italie. Parfait. Où est-ce que tu vas à 3 h du matin pour un snack après une brosse? Man, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Pour vrai, je bois plus, puis genre, je suis rendu végétarien. OK. Où tu vas boire un café le dimanche matin à Montréal? Où je vais boire un café? Ça dépend. Il y a genre une coupe de fucking bons cafés. Soit au Café Italia, soit au San Simeon, soit chez Vito. Ton artiste québécois favori? Les beatmakers, je te dirais que c'est les stars, là. Keytra, iClass, Vince Carter. Avec quel artiste rêverais-tu de collaborer? C'est avec David Lynch. Ah ouais? Hands down. La plus belle salle de spectacle à Montréal, c'est où? Moi, j'aime aller dans un quartier, dans une salle d'à peu près 200-300 personnes. Tu sais, ces salles-là, là, comme average, genre... que t'as un peu partout à travers la ville. J'aime mieux ces salles-là, les petits spots que tout centralisé à même place. Je suis pas très place des arts, mais je pourrais pas dire quelle salle à Montréal, honnêtement. La meilleure pids. Ah, la meilleure pids. Un des très bons spots, un classique de la petite Italie, c'est le Napolitana, qui est genre ce que Pacini devrait être. Tu sais, Pacini, ils l'ont échappé là, à un moment donné, tu sais. Ils ont eu l'idée du bar à pain, puis là, ils sont partis sur une balloune. Puis pour un autre spot qui est plus comme pizza de création, de chez Gemma, qui est un resto... ouais, c'est que pizza, mais ils font bien ça. La meilleure place pour frencher à Montréal, hein? Ça dépend à qui tu french. Ça dépend vraiment si tu french avec le crush de ton secondaire ou comme une danseuse que tu ramènes après le bar, t'sais. OK. Ça dépend parce que... C'est pas nécessairement important où t'es dans la ville plus que où t'es à l'intérieur de toi quand tu french. Wow. Ta boutique préférée? Ça s'appelle Phonopolis. OK. Chez Phonopolis, c'est vraiment nice. Ils ont juste comme plein de vieux vinyles à 2$, là, t'sais. Puis tu peux juste rentrer là puis perdre ton après-midi straight up. C'est qui ton chum ou ta chum de brosse par excellence? Ben, c'est les gars de Dead Obies, là. Est-ce qu'on s'est démonté la face aux quatre coins de la province, genre non-stop, là. Tu sais, même si j'ai des bons amis avec qui j'ai fait le party, moi et Arnaud Solier, on s'est vraiment déchiré la face ensemble. Montréal passe au feu, tu dois sauver une seule chose. C'est quoi? Le cinéma du parc. Ta station de métro préférée? Oh, nice question. Je te dirais que Verdun, man. Verdun, là, t'as l'impression d'être vraiment dans un spaceship, dans un restant de film de science-fiction, genre de série B, là. Pont-Champlain ou Pont-Jean-Cartier? Pont-Jean-Cartier, big! Easy. Easy. All right, merci, yes. Ça finit avec le pont. C'est tout.